T'es un hostie de malade, pourquoi t'as fait ça? Ben, j'ai rien fait, là, le coup est parti tout seul. Si t'as enlevé le fucking crâne de sûreté, tu t'attendais à quoi? Ben, Chris, as-tu déjà fait ça, toi, menacer un autre gars avec l'hostie de crâne de sûreté? Ben, Chris, fallait le menacer, pas le tuer, Chris d'épais. Qu'est-ce qu'on va dire, André, maintenant? Tu l'as magané. Je te jure que. On va faire quoi maintenant? De quoi on? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas mon problème, c'est ton fucking problème! Hey, Wally, nerf, calice! En train de demander à toi pis moi d'aller voir Mathieu, ok? T'es autant dans la marde que moi! Hey, c'est ta marde, pas la mienne! Ok. On va prendre ce qui reste de Mathieu pis. Fuck, wake up, Simon! Quoi? Je pense que tu comprends pas, ok? Si André apprend qu'on a tué Mathieu, là... Ok, non, attends. Si André apprend qu'on a tué le gars qui doit un shitload de cash, on est crissement dans la merde, tu comprends-tu ça? Hein? Ok. On va prendre le cadavre, on va le mettre dans le coffre de ton char, puis on va le ditch quelque part, là. Hey, fuck, Antoine, si on va pas le calisser dans mon char, quand même! Hey, qu'est-ce que tu fais avec un bidon d'essence dans ton char? Ben là, Chris, on sait jamais. Okay. Va donc checker dans l'appart si tu trouves pas une pelle. On va peut-être s'en servir. C'est André. Tu l'as tué, le style javelisant? Y'a rien dans ce style appart-là. Calice, y'a même pas une style mop. Moi, j'ai remarqué, ça a pris plus de temps avant de nous servir. Mmh. Ça, c'est parce qu'ils ont changé la politique de la conservation de la bouffe. Ouais. Ouais, avant, les employés, ben, ils préparaient les commandes à l'avance. Mais ben, là, l'affaire, c'est qu'ils se sont rendus compte, c'est-à-dire que la qualité a droppé entre le moment qu'ils préparaient la bouffe puis qu'un client venait faire sa commande, tu sais. Puis, ils se ramassaient toujours avec plein de restants à la fin de la journée. Fait que là, ils servaient de la calisse de merde à leurs clients, puis ils perdaient du cash. Là, ça a bien changé. Là. Maintenant, ils attendent. Puis là, quand un client vient commander, ben, ils préparent la bouffe, tu sais. La qualité est là, tu sais. Puis ils perdent plus de cash. Hein? Puis l'appuies-tu encore, cette politique-là? Ben non, calisse. Les employés s'en calissent-tu si ton burger il est frais ou pas? Anyway, ça ressemble toujours à la calice de merde, le Rusty Burger. Tabarnak. André? Ben, pas vraiment, là. Je me suis arrêté avec Simon pour bouffer. Ah, ouais? Puis vous mangez quoi? Ben, un hamburger, là. Ah, ouais? Il y a quoi dedans? Il comment ton hamburger? Tu vois? Ben, il y a du... Tabarnak! Faut que j'aille, là, je te rappelle plus tard. C'est vert aussi! Puis? Si, je sais pas, là. Antoine, hein? Fais-tu bien ici? Oh, ouais, c'est pas pire. On devrait faire un trou en face de cet arbre-là. Anyway, à ce temps-là de l'année, y'a personne qui passe ici. Puis en plus, ça va y faire de l'ombre.
Sacrement, regarde-moi pas de même, là. C'est une joke. Je vais aller chercher l'appel. Attends. De quoi l'appel? Ben, l'appel que je t'ai. T'as vraiment manqué de l'oxygène à la naissance, toi, là. Passe-moi du feu. Mais si Antoine, j'ai pas de feu, ça fait 3 semaines que je fume plus. Comment ça tu fumes plus? T'as toujours un esti de cigarette dans la gueule! Si, qu'est-ce que tu veux que je te dise, calice? J'aime ça en avoir une dans la gueule! Mais passe-moi ton gun, calice! Hein? Passe-moi ton gun, esti! Arrête, esti! Qu'est-ce que tu fais, Antoine? Passe-moi les tabarnak! Non, arrête! Arrête! Esti, Antoine! Antoine! Antoine, fais pas ça! C'est assez, là. Allez, viens-t'en, on s'en va. Tu réponds pas? Il a peut-être des nouvelles de Mathieu. Hey, qui se fout de Mathieu dans le cul. Ça va? On s'en sortit. Merci, il n'y a plus d'essence.